C'est la dernière commande, arrivée hier après-midi par avion. Sur les 10 cercueils, 2 sont déjà partis en quelques heures. J'ai fait venir 10 cercueils de la Réunion. Mon confrère a fait venir 10 cercueils de la Réunion samedi, mardi matin à 8h. Ni lui ni moi n'avions de cercueil. Donc nous avons consommé en 3 jours 20 cercueils à 2. 20 cercueils écoulés en un week-end. En temps normal, il faut près de 6 mois pour les vendre. L'explosion de la demande est liée à l'obligation de mise en bière des personnes décédées du Covid. Le simple fait de bouger le corps d'une personne décédée, ce corps va expulser de l'air et donc peut expulser des particules. Et ces particules sont extrêmement contagieuses. L'usage du cercueil, c'est la seule façon de mettre une barrière physique entre une personne atteinte et décédée du Covid ou probablement Covid. S'il y a suspicion, on doit avoir les mêmes gestes, donc les mêmes obligations. Mais la mise en bière définitive permet d'isoler le virus. Pourtant, toutes les familles ne jouent pas forcément le jeu, ce qui laisse craindre d'autres formes de contamination. Il y a le cas de figure de la famille qui a un décès à domicile, où effectivement, se plier au cercueil alors qu'on peut faire l'enterrement là tout de suite maintenant, bah, s'ils peuvent éviter, ils essaient d'éviter. De l'autre côté, la deuxième cas, c'est les gens qui n'en ont strictement rien à faire de la loi française. Donc, du Covid, du cercueil, l'argent, ils veulent pas. D'abord, ils l'ont pas, ils veulent pas. Et puis en plus, ils font ça dans le fond du jardin, sur le bord de la route. Pour Jean Lhuillier, il faudrait baisser les taxes sur les cercueils afin d'aider les plus démunis à se protéger lors des enterrements. Ses confrères optent plutôt pour une production locale, pour baisser les prix et éviter la pénurie. Car pour l'heure, une seule entreprise fournit Mayotte et La Réunion, avec le risque de nouvelles pénuries en cas de flambée épidémique dans le département voisin.